Les potes, on se retrouve pour ma ferme américaine. Enfin, un nouvel épisode de cette série-là. Moi, ça... Oh là là, aujourd'hui, c'est la grosse vente. Vous avez dit que le compte en banque allait changer. Je vous ai menti. Voilà, très clairement, je vous ai menti. En fait, je pensais vraiment le changer, en fait. Mais finalement, je me suis dit, ça va faire un trop gros trou entre deux épisodes. C'est pas normal. Donc, ce qu'on va faire, on va vendre des récoltes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en off? Je me suis occupé un peu de tout. Donc là, c'est là, vous avez vu, tout est rangé, tout est nickel. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 33 000 litres de soja à aller vendre. Arrête de tourner, s'il te plaît, caméra. Arrête, caméra. Avec le petit man, prix, on va aller voir. Le soja, il est affiché à... Oh merde, ça a baissé. On a pratiquement 34 000 litres, mais c'est bon, là on n'est pas trop mal. On est comment si... Donc les animaux, je les ai renourris à flot, je crois pas pour les moutons. Ouais, si, les moutons c'est fait. Si, comme vous avez pu voir aussi, j'ai changé, il y a des moutons, j'ai acheté d'autres moutons, ceux-là je les ai laissés finalement, mais j'en ai acheté d'autres. J'ai acheté des moutons blancs, parce que je me suis dit en off, voilà, ça pourrait être fait. Voilà, donc tout ça c'est renourri. Au niveau des véhicules, j'en ai pas acheté récemment. Voilà, donc il y aura de la laine aussi à aller vendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ici, c'est méconnaissable. Hein, voilà, vous vous rappelez, j'ai tout. Là, vous savez pas trop, mais j'ai tout récupéré pour donner à manger aux vaches. Ça suffit. Tout. Et ça m'a tout bousillé, quoi. Et pour dire, c'est chaud, quoi. Du coup, on va prendre... est-ce que le lait, il a un bon prix? Je dis, le lait, il a un bon prix, les gars, on va le vendre de suite. Je vous dis, oh, mais les prix sont dégueulasses. Bon, on va aller vendre la laine, hein. C'est le prix le plus correct. La laine, ici, on a des cartons partout. Et j'ai découvert un truc pendant le off, pendant que j'étais en train de jouer dessus. On peut ouvrir le coffre, la portière arrière. Moi, je ne savais pas. La porte arrière. Oui, du coup, moi, j'étais content. Voilà, j'ai découvert un truc, c'était génial. Hop. Tac. Oh non, je veux pas rentrer chez moi. Non, non, j'ai fait le con encore. Ouais, j'ai ah oui, aussi pendant le off, j'ai renversé 3-4 fois le plat. Mais c'est pas vrai. Oh là. Mais c'est quoi le bordel? Eh, mais je suis maudit. Ah, ça y est, c'est bon. Voilà, on est mieux là quand même. Non, mais voilà. Donc du coup, il n'y aura que de la vente hein, pendant cet épisode, je pense. On va peut-être ressemer, mais vraiment, j'ai rien prévu. En fait, ce que je voulais faire, c'est arriver à 100 000 euros, très précisément. 120 000 même. Donc là, il manque à gagner 100 000 euros. C'est tout ce que je voulais pour pouvoir acheter quelque chose de très important pour la prochaine vidéo que je voulais faire. Parce que ça fait... Ok, très bien. Bon, on va faire autrement, je pense, hein, parce que là... Et allez, rebelote. Putain, j'en ai marre. J'ai renversé 3-4 fois le plateau comme ça la dernière fois aussi, donc ça devient un peu chiant. Et la manette qui déconne. Allez, s'il te plaît. Bon, on va essayer de rouler à la chandeleur. Hein, voilà. On va éviter de dépasser les... ces 70 km. Même 70, mec, c'est trop. Hop, on roule trop vite. Non, mais en vrai, j'abuse, mais c'est ça, quoi. Est-ce que je peux... Oh, j'ai mis, regarde, le compteur de vitesse dans le compteur. Oh, c'est stylé, ça. Ah, non. Pas sur le... Ouais, bon, c'est bon. Là où il y a le tableau de bord. Enfin, genre là où il y a l'écran de GPS normalement. En espérant que ça tombe pas encore une fois. Ça va 30 km, ça va pas trop vite. Là ça va trop vite. Très clairement c'est la vitesse du JCB, mais bon voilà, j'ai pas envie qu'on roule trop vite non plus à cause de ça. Déjà 50 km/h je trouve que c'est pas mal. J'aime bien. Moi je vous préviens, vous voyez le... Attends, je vais vous le montrer dans le shop. Alors... Ce tracteur-là, je ne l'achèterai pas. Très clairement, je ne l'achèterai pas. Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout dans mes buts. Enfin, c'est dans mon budget, je sais que je peux l'avoir. Mais je l'ai acheté, en fait, sur une partie perso. C'est une galère à conduire. Du coup, je mets que des ouvriers. Voilà, mais c'est une galère à conduire. Voilà, donc on a au moins 3 plateaux. Allez, bon, ça va être génial. Vive la laine.
Oh, j'ai eu peur. Oh, mais la laine, ça a un prix dégueulasse. Mais putain, ça va pas se vendre. Non. Oh, ça va, on a gagné un peu quoi. Ah, ça y est, c'est la nuit. Ah, c'est chiant quand il y a la nuit qui tombe. Ah ouais, mais vivement que... Ouais, en vrai. Je sais pas. Sans... Que cette série sera finie, je pense que j'en commencerai pas d'autres, de toute façon j'aurai pas moyen donc. Bing, j'étais sûr que j'allais payer quelque chose. Mais maintenant j'ai peur avec cette bagnole parce qu'elle peut partir tellement en couille quand elle veut quoi, mais non! S'il te plaît, essaye de ne pas tomber. Essaye de ne pas tomber, sachant que t'as d'autres plateaux à les vendre, putain. Attends. Ah ouais, mais ça c'est chiant aussi l'enregistrement là, putain il fait pas plaisir. On est comment au niveau du lait? On est dans la merde aussi. Ah ça y est, le soja remonte! On va pouvoir aller vendre du soja. Oh, j'adore le dire comme ça. Voilà, c'est génial. On va pouvoir aller vendre du soja. Oh, cool. Oh, je suis trop content. On va vendre du soja. On va vendre du soja. Parce que 33 000 litres de soja, ça va faire une remontée là. Oh là là. Je vous dis pas. Non, mais. Ah, mais pourquoi je l'ai foutu derrière? Comment je vais y aller, moi? Oh bah il en a chopé une, ok. Bah je comptais y aller comme ça mais... Oh nice, nice, nice Benny. Non! Ah bah en fait on a fait deux plateaux. Mais celui-là est magnifique. Celui-là c'est la crème des crèmes. Voilà, c'est un magnifique plateau. En vrai il n'y aurait pas un objet qu'on... Ah ouais j'ai envie de changer la Bergman. C'est l'autochargeuse. Moi j'ai acheté la Sheet Maker dans ma partie perso. Mais je vous montrerai un bout de moment ma partie perso. Je pense que je ferai une série dessus, enfin genre en mode... Ouais, je pense que je vous ferai une petite série dessus quand j'aurai fini cette série. Je crois qu'elle est pas prête de se terminer, petit exploitant est très proche de la fin. Voilà. Non, non. Non! Pardon. Juste les deux qui sautent comme ça là, ça m'a tué. Ah, hier j'ai fait un live, tiens... Mais prends la salope. Merci. Hier, j'ai fait un live sur Human Fall Flat. Alors, c'est un jeu. Pff, bon, il est pas non plus, voilà, mais il est super drôle ce jeu. C'est un escape game. Tu dois t'en sortir avec des personnages qui ressemblent un peu à des personnages en pâte à modeler. Genre, ils bougent bizarrement. Les pâtes de laine sur sa FS20, je crois que ça va me casser les pieds. Oh, comment c'est fait? 10 000. 10 000 euros. Putain. Du coup, on va aller vendre le soja. Le soja. Bah, il a mis 600. Il est où, moi? Pétale bio de drink. Ah, oui, c'est là-bas. Et le lait qui remonte aussi. Eh, mais les gars, eh, on n'a pas géré. Non, mais voilà. Non, en fait, c'était une petite vidéo grosse vente. Oula. J'ai mal pris le virage. Ouais, j'ai mal pris. Je l'avais remarqué. Eh, t'as 600 chevaux sous le capot! Tu devrais pouvoir avancer, non? Attends, je vais prendre plus large. Oh, nickel. Oh, magnifique! On va prendre du soja. Voilà, on va attendre que ça remplisse et on va aller à Pétale Bio de Drake qui se situe juste en bas, là, en bas à droite. À gauche. Ouais, c'est ça, en bas à gauche. Ah oui, il y a des fortes demandes là. Ah oui, mais. Attends, en quoi il y a des fortes demandes? La laine qui baisse, le lait qui monte, le soja qui monte. Ah ouais, mais c'est tous les trucs que j'ai pas quoi. Oh, le soja, on va être bien là, on va être bien, Valas. Bon, bah voilà, hein, ce petit soja que j'ai récolté, j'ai juste moissonné les 3 champs que j'ai et j'ai fait 33 000 là, donc voilà. Mais de base, ce que je voulais faire, c'était genre remplir tous les silos au max. J'ai fait. C'est juste le soja m'a. Ah, mais tourne! Le soja m'a fait. Non. Ah, j'ai des bugs de synchro avec la Switch. Mais voilà. Oh, ouais, mais c'est une galère. Attendez, je vais régler les joysticks. 2 secondes. Non, ouais. Je dois les balancer. Ah. Voilà, normalement, ça devrait être bon. C'est réglé.
Ah non. Ça descend. Attendez, je reviens, j'ai un problème. Voilà, c'est mieux là. Juste une lumière de trop. Ouais. Bah, d'habitude, je tourne avec la lumière, mais là, elle a fait. Non, tu tourneras pas. Non, on voyait juste l'ombre. Du coup, on va aller vendre ça à Pétale Bio de Drake, les gars. Allez, hop, c'est parti. Tac. Oh, oui, il y a aussi l'épisode de Petit Exploitant qui est sorti lundi. Ouais, pour faute, en fait, ben. Comment dire, ma tablette ne voulait pas. Enfin, il n'a pas voulu. Oh non, mais j'en ai marre. Cette remorque est trop grosse. N'a pas voulu transférer, en fait. Ça fait. L'import a sauté deux fois d'affilée. J'ai dû faire petit à petit, morceau par morceau. C'était une vraie galère. Bon, bah, on va vendre ça là. Combien on se fait? Moi, je lui dis, on se fait. Allez, 50. Non, même pas 50 000 euros. Il me dit qu'on fait 100 000. Ouais, 600 000. Ouais. Si... Oh non, non, on se fait même pas 100 000. Là, il n'y a pas 100 000 euros. Là. On n'a pas 100 000 euros. On a 90 000, mais pas plus. Ah bon, on les a fait largement, en fait. On a presque fait 110 000. 55 000 euros de Sochaux, les gars. Il manque 20 000. Si le lait peut nous rapporter 20 000 euros, on est parfait. On a juste assez pour pouvoir. Mais il y a 11 minutes d'épisode là. Mais en vrai, il va pas être long celui-là, c'est les ventes. Donc franchement, il va vraiment pas être long. Et l'achat de quelque chose qui va être très intéressant. Hop. Et on va pouvoir préparer la future vidéo qui va arriver la semaine pro. J'ai hâte. Et il faut d'abord que je me rende. Oh, il a pas de rift. Il a pas de rift, il a pas de rift. J'ai géré, j'ai géré, j'ai géré. Non, j'ai pas géré. Tac. Hop. Hop. Non, non. Oui, c'est mieux. On va s'acheter une nouvelle barre de coco. Oh, mais je lag ici, c'est pas possible. La ferme là, de temps en temps, je suis pas à 60 FPS, on le sent. Ça lagouille un peu. Donc, du coup, on va récupérer la cuvalet. Oh, on dit cuve ou tonnerre? Moi, je dis cuvalet. Voilà. C'est une. Ouais, c'est plutôt une tonnerre. Hein. Oh, je sais pas. Mais en tout cas. Voilà, hein, ça va nous transporter notre lait. Je vais juste voir si on a assez pour pouvoir s'occuper de tout ça. 33 000 litres et elle prend combien? C'est de l'autre côté. Animaux. Hop, elle prend combien? Ah, ouf. Il restera 1 000 litres de lait. Ouais, j'ai pas forgé le lait, j'ai pas farmé le lait. C'est vrai. Mais mettre du temps avant de produire un peu de lait quand même. Non, mais ça faisait plusieurs épisodes, je m'en souviens que j'avais pas vendu du lait. Donc c'est pour ça, putain. Sachant qu'un épisode dans le mois, je mets 1 heure à tourner, mais là je vais mettre 20 minutes parce que je vais m'arrêter. Je fais que parler, hein, voilà. Et j'ai rangé aussi les bottes, ouais, j'ai rangé le bordel des bottes. Hop. Oh, mais il tourne pas ce canard. Il prend le lait, mais. Ouais, c'est bon, il prend le lait, donc on va attendre juste. Mais bon, voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, on va peut-être pouvoir faner un peu, c'est pour changer un peu d'activité. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais replanter en off et on va faire un superbe truc la semaine pro, les gars. Ah, peut-être pas la semaine pro, tiens. Je me tâte à faire plusieurs épisodes. Je suis la semaine pro, mais genre lundi et mercredi, il y aurait 2 épisodes à la suite de la série. Je sais pas si c'est une très très bonne idée, mais bon, voilà. Tac, on y go. Voilà. Et on vend ça où? Parce que c'est bien beau d'y aller, mais on vend ça où? Oh, mais ça monte encore. Oh, 1 600! On va le vendre là-bas, hein! Merde, merde! La remorque! J'ai oublié la remorque! Voilà, c'est bon. On va. 1 600! Oh là 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 là, mais aussi cher que. C'est pas possible. Aussi cher que le soja. Le lait. Aussi cher que le soja. Autant que le soja, on a 50 000 euros. Voilà, 55 000 euros. Là, il y avait 30. Là, il y a 32 000 là-dedans. Mais c'est bon. Soja, il y avait 34 000. On a au moins 50 000 euros. Ça, c'est sûr.
Attention, ça drift. Oh, ça a pas drifté. Oh, ça a pas drifté. J'ai bien freiné. Voilà, on est parti, on va à la vente. Commencer, on se verra là. Est-ce qu'il y a la moule là qui est là? Allez, allez, le pognon. Oh, donc ça vit tellement pas vite, mais. Oh la vache. Je suis perplexe. Non, ouais, non, non. C'est excitant! Il peut pas me mettre de suite. Oh putain, mais là ça coule vite. Attention, là on se les fait largement là, les. On se les 160 000 bien ralasses là. Ah non, peut-être pas 160. Oh, quoique. On se les fait. On se les fait 160 000. 54 000 de lait. Ça me tue. Oh là là, juste jouer pendant 1 heure. Ah voilà, j'ai semé et récolté, juste le temps de semer et récolter les champs là, que j'ai les champs 3, 4 et 5. Juste le temps de les semer et récolter, on s'est fait. Mais arrête de tourner. Et oh, tu vas où? Et juste ça, bah, on a produit et tout ça. Oh. Je crois que j'avais 25 000 de lait déjà de base, donc j'ai produit quand même pas mal. Hein. Ah ouais, ça produit bien. Mais on a une grosse cuve, donc ça vend plus rapidement, plus. Et là, normalement, on n'a plus rien. On a 2 000. Wow, on a 500. 8 000 litres de lisier. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ouais, on est arrivé à la capacité maximale de l'auge. Voilà. C'est bah, de l'étable. Et c'est un peu chiant. Voilà. Donc, du coup, on va aller. Vous vous doutez bien, du coup, comme je vous ai dit, qu'on allait. Je vais acheter le nouveau petit. De la ferme, entre guillemets. On va laisser le camtar, là. Ça change rien. On va prendre le Big X. Ah, le fameux Big X qu'on adore de chez Krone, bien sûr. On va laisser la barre de coupe à. À quoi déjà? Ça, c'est à. Ouais, tout ce qui est herbe et céréales pas mûres en fait. Immature, voilà. Blé immature, si vous voulez, du soja immature, de l'avoine immature, de l'orge immature, on peut l'ensiler, oui, il n'y a pas de souci, ça se fait. Même dans même en IRL. Voilà, j'ai bégayé, je crois. On va le laisser là, on va aller dans le petit magasin qui va faire plaisir et on va aller dans le ensileuse. Et en fait, c'était un moment où j'étais en train d'hésiter, mais qu'est-ce qu'on va acheter avec l'ensileuse? Et bah tout simplement, on va acheter de quoi pouvoir ensiler le maïs. Et oui, enfin, on va pouvoir ensiler le maïs. Et barre de coupe, c'est vrai. Voilà. Désolé. Donc du coup, on y est. Ah là là, ça va faire du bien. Ah, une bonne. Ah là, on retrouve le Big X. Tel qu'il y avait sur les anciens farming avec. Oh oui, les petits trucs là sur le côté qui fonctionnaient jamais. On se souvient. Mais là, ils sont comment? Ils tiennent comment? Hein, ils tiennent comme ça? Et du coup, ça donne quoi quand tu déplies? Ah ouais, d'accord, ça se met vers le haut. D'accord. Est-ce que tout est animé? C'est très intéressant de savoir si tout est animé. On va voir ça. En vrai, c'est. Oh, c'est joli. Oh, c'est beau! Oh la vache, hâte d'ancier. Oh la vache, tout est animé et tout. Ça c'est magnifique. Bah plus que. Attends, il y avait ça aussi, mais je me dis non. Et avant il n'y avait pas ça. Genre c'était pourquoi ça? D'accord. Ah ok, d'accord. Et vue intérieure? Ouais, bah ouais, bah ouais. Oh c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, ça gâche un peu la vue, tu vois, de devant. Mais oh la vache, oh c'est beau! Oh c'est beau! Ah non, mais là, oh c'est magnifique, les gars! Ah, mais je suis con! Ou je suis con? On n'a pas de semoir à maïs! Oh, je suis dans la merde! Très clairement, les gars, on va s'acheter un semoir à maïs très vite fait. Ah non, on n'a pas assez. À moins qu'on s'achète le petit Lemken, mais on en a pour un. Ouais, je vais m'acheter le Lemken. Les gars, en off, du coup on va s'acheter un petit semoir à maïs. Donc du coup c'est pas le Amazon plus une. En vrai je voulais acheter l'Orange Pro Maestro parce que voilà. Mais ah non celui-là il sort à 29 000. Soit on achète celui-là, soit on achète celui-là. Putain, j'ai un doute. Le Orange ou le Lemken?
Oh, bah, j'aurais pris l'off. Les gars, ce que je vais faire, c'est que pendant l'off, je vais gagner de l'argent, sûrement. Hop, tu restes comme ça, toi. Et on va. Je vais essayer d'acheter, du coup, le Orche Maestro pour pouvoir semer ce maïs. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, les gars. Ça fait hyper plaisir. Ça aide aussi pour continuer. Hein. Vous inquiétez pas, ça booste à mort. Et aussi, bah voilà, hein, partagez, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et commentez surtout, les gars. Commentez pour savoir. Alors, moi, ça m'aiderait sérieusement pour savoir si, franchement, les trucs ils sont bien ou pas bien. La dernière fois, je sais que moi j'ai des retours, par exemple sur Discord, de temps en temps, il y a des messages qui sont envoyés, que j'ai des retours là-dessus. Sur Insta, j'ai pas encore, mais voilà. Donc tout est en description pour ceux qui veulent rejoindre mon Insta et mon Discord. Bon les gars, c'était Benji du Sal. Moi je vous dis à la semaine pro pour un nouvel épisode de cette série. Allez, ciao tout le monde!